Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Starwhite. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16 en Career Manager pour un match très important. On joue contre le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Regardez ce classement, un classement de feu. On a 2 points d'avance seulement sur le PSG. L'OM qui est revenu à 2 points de nous, mais avec un match en plus. Lyon est à 4 points de nous. Et puis derrière ça se lâche un peu. Donc voilà, il faut faire attention à Lyon et à l'OM. Pour le moment, place au PSG. On a pour le moment, avant ce match, 2 points d'avance sur eux. Mais attention. Rien n'est encore fait. Nabil Fekir, lui, toujours blessé, malheureusement pour nous. Place au match contre le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Comme je vous ai dit, on a 2 points d'avance sur eux, donc tout peut arriver. Souba, Zuma, Ragui, Korchia, Cointrao, Tielemans, Toulalan, Lemar, Silva, El Shaarawy et Wido Carrillo. Monaco qui sort... qui a sorti Bilbao en 8ème de finale. On verra qui on a en quart. En espérant que ça sera encore un bon match. Quelle frappe d'El Shaarawy sur la barre. Et celle-là, elle sera à côté. Ouais. Allez, place au match. Directement contre le PSG, le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AS Monaco pour un match très attendu de Ligue 1. Alors, je vois déjà Thiago Silva trappe. Ça doit être Aurier le 19. Voici les commentateurs. Et le premier qui affronte le troisième. Mais avec les deux, on a un match en moins. Et donc on peut voir que ce championnat majeur va se jouer entre ces deux équipes. Di Maria, Maxwell, Matuidi est là, Pastore est là. Lucas Cavani l'avait dit. J'ai pas vu Ibra. Monaco qui est actuellement la meilleure attaque. Alors... Oui, donc Carrillo, le numéro 11, l'attaquant de cette équipe de l'AS Monaco. Et la composition, Trapp, Aurier, Marquinhos, Silva, Maxwell, Matuidi, Pastore, Di Maria, Lucas, Cavani, Lavezzi. Voici la composition du Paris Saint-Germain. Et la composition de l'AS Monaco, on la connaît. Et ce match qui va être donné, le coup d'envoi est donné. C'est parti par le Paris Saint-Germain. Pastore est avec le ballon. Attention à ce match qui peut peut-être faire mal dans les têtes. Serge Aurier. Di Maria. Avec Cavani. Premier ballon déjà vers l'avant. On voit que les Parisiens sont très en place avec l'accélération de Di Maria. Et la bonne intervention de Tielemans. Bien joué. Bernardo. Avec Lemar. Parce que Fekir n'est pas là, on le sait. Et tout la lance est bien joué. Dommage. Un peu plus forte la prochaine fois pour El Shaarawy. Trapp. Le ballon qui repasse par les pieds du gardien. Di Maria. Avec Maxwell. Di Maria. Cavani. Avec Matuidi. Attention à la bonne accélération de Lucas. Lucas. Excellent retour de Cointrao. Heureusement qu'il était là. Oh, il s'est bien vengé. Intervention de Radji. De toute façon, faute de Lucas, mais il y avait l'intervention de Radji. Kurt. Tielemans. Avec Cointrao. Et le défi entre Cointrao et Lucas, ça commence fort entre ces deux joueurs. Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago. Avec Lavezzi. Cavani. Oui, bien joué de la part de Kurt Zuma. Tielemans. Avec El Shaarawy. Et bien fait, ça pour Carrillo. Attention, on a peut-être un décalage. Carrillo tout seul. La première frappe, elle est là. La frappe de Carrillo. L'arrêt de Kevin Trapp. Bien joué de la part de Kevin Trapp. Bonne percée, en tout cas de Carrillo dans la surface adverse. Blaise Matuidi. Accélération de Blaise Matuidi. Peut-être la réponse directe des Parisiens. Matuidi toujours. Le centre de Matuidi. Ça sera pour les bras de Subasic. Ouh, il a failli perdre le ballon là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tielemans, avec El Shaarawy, il faudra revoir ça. Très bonne lecture du jeu. Très mauvaise passe d'El Shaarawy, avec Di Maria maintenant, pour Lucas. Match lancé en tout cas, et ça sera pour Kurt Zuma. Et donc pour le Monégasque, Cointrao justement, avec Zuma. Zuma qui repère le ballon face à Lucas. Lucas qui commence à être chaud, tête de Radji, ça revient dans les pieds. Et la reprise directe de Di Maria, juste à côté. Personne ne l'a touché, 18ème minute, Subasic est au dégagement. Tête de Carrillo. Tête de Thiago. Matuidi. Di Maria.
Lavezzi. Lavezzi, accélération de Lavezzi. De Vokorchia. Avec Edinson Cavani face à Raji. Le centre de Cavani. Ça sera pour les bras de Subasic encore une fois. Bien joué à lui. Bernardo. Non, pardon, Carrillo maintenant avec Bernardo. Gros ton contact là. Oh, Di Maria. Di Maria, c'est le jouet. Ouf. Heureusement qu'il y avait Cuentrao et Subasic dessus. Paris, pour le moment, on peut dire qu'ils ont un peu pris la salle devant les Malgasques. Bien joué, Del Charagui avec Lemar. Bernardo. Bien joué de la part de Thiago. Lavezzi. Pastore avec Lucas. Et bien joué de la part de Kurt Zouma. Tielemans. Tielemans qui va essayer de décaler. Lemar. Et Tielemans vers Lemar. Il arrive quand même à contrôler. Il s'en sort bien devant Maxwell. Centre de Lemar. Bonne sortie de Traff devant Carrillo. Maxwell avec Lavezzi. Lavezzi. Di Maria maintenant avec Matuidi. Il va chercher Lavezzi. Et bonne couverture de Raji. Et Toulalan. Toulalan. Non. Non, non. Devant Matuidi, ça passe pas. Cavani. Avec Di Maria. Di Maria. Ouf. Il était au duel de Tielemans. Maxwell. Di Maria encore. Ouais, bien vu de la part de Lemar. Il va chercher Carrillo devant Marquinhos. Non. Thiago Silva. Lavezzi. Oula. Di Maria. Di Maria. Oh, bien joué. Bien joué de la part Lemar qui coupe l'action, même si la touche est encore parisienne. Thiago. Matuidi. Maxwell. Et le centre de la tête de Cavani. Ça sera dans les bras de Subasic encore une fois. Avec Carrillo. Carrillo. El Charaoui en 1-2 avec Carrillo. On va vite, dommage. Oh, c'est pas terminé. Les Monégasques qui récupèrent le ballon. El Charaoui, bien vu dans la profondeur avec Jérémy Toulalan. Di Maria. Monaco qui a un peu de mal à trouver les occasions. Lucas. Et la couverture de Raji. Avec Souba qui a failli aller en corner ce petit ballon. Mais Souba était bien là. Et la tête de Carrillo. Oh, dommage, il y avait El Charaoui. Et il récupère le ballon. Oh, l'opportuniste devant Kevin Trapp. Quel arrêt! Quel arrêt de Kevin Trapp. Ouh, les Parisiens qui ont eu très chaud. Les Parisiens qui ont eu très chaud là. El Charaoui. Bernardo, il n'est pas passé avec El Charaoui encore. Bernardo, il sait pas trop où aller. Il sait pas trop où aller. Putain, j'ai pas eu le temps de faire une passe. Dommage, j'ai caché une grosse occasion là. Cavani qui va accélérer le jeu. Faut vite le prendre. Faut vite le prendre là. Attention en bas. Serge Aurier. Ouais. Bien joué ça, bien joué. Lavezzi, le centre. Faut sortir Souba. Oh, but. Oh. Oh, Cavani qui loupe. Heureusement pour les Monégas, parce que là, à mon avis, Souba, il était battu. Et c'est la réponse. C'est la réponse des Parisiens devant la grosse occasion d'El Charaoui. Oh, mais quelle réponse. Quelle réponse. Monaco qui a eu très chaud. Oh, franchement, j'ai cru au but. El Charaoui. Ah, Toulalan, non. Attention, Cavani qui va lancer Lucas. Accélération de Lucas. Dernière action. Attention. Oh, la tête de Cavani, elle est au-dessus. Heureusement pour Daniel Subasic qui peut se dégager. On va se diriger vers la mi-temps sûrement. Thiago Silva. Allez, Lavezzi. Bon, sûrement la dernière action. Voilà, c'est terminé. Fin de la première mi-temps. 0-0 entre ces deux équipes Monaco. Qui essaye quand même. Et Cavani, pour moi, qui a eu la plus grosse occasion du match. Lemar. Bien joué ça, Lemar. Avec Korchia. Ouf, Korchia qui n'est pas passé. Attention, avec Lavezzi, la vitesse de Lavezzi. Bien, couverture de Korchia. Raji. Non, non, c'est, oh non. Attention, attention à Lavezzi. Il va le prendre, il va le prendre, il va le prendre. Lavezzi qui va centrer direct et Cavani. Et bon retour de Kurt Zouma. Heureusement qu'il était là. Korchia. Oh, on n'arrive pas à s'en sortir pour le moment. Allez, Lemar, faut sauver le corner du côté de Raji. La bonne couverture avec Toulalan. Tielemans maintenant. Oh,
Monaco qui se font battre dans les duels, même si Tielemans, sur cette action, récupère le ballon. Il fait une mauvaise passe sous la pression de Lavezzi. Maxwell. Allez, Lavezzi qui va faire la touche. Avec Maxwell, mauvais contrôle de Maxwell, tiens. Korchia maintenant. Radji. Faute. Faute de sur Radji. Je pense qu'il aurait pu revenir de toute façon. Radji. Avec Korchia. Avec Lemar devant Maxwell qui va essayer d'accélérer. Ouais, bien joué Lemar. Carillo. Oh, le ballon qui a été touché. Ça revient quand même dans les pieds de Bernardo. Belle couverture de Maxwell. Marquinhos. Avec Pastore. Oh, et Cavani. Voilà, Cavani. Avec Lavezzi maintenant. Oh là. Lavezzi. Centre de Lavezzi à ras de terre avec Di Maria. Dommage pour lui. C'était bien tenté de sa part, mais le ballon était sorti sous bas. Tête de Carillo. Et Bernardo avec Lemar. Lemar. Bernardo. La frappe de Bernardo. Oh, quel arrêt de Kevin Trapp encore. Tête de Korchia. Oh, encore une fois Di Maria. Korchia. Il n'a pas pu récupérer ce ballon, Korchia. Di Maria. Avec Aurier. Mauvais contrôle peut-être d'Aurier. Ça passe quand même devant le Sharaoui. Aurier. Ouh, le Sharaoui qui a du mal à s'en sortir. Cavani maintenant. Cavani, attention à une passe en profondeur, sûrement. Pastore. Avec Di Maria derrière. Monaco qui essaie vite de se replacer en défense. Lemar qui contre, mais ça revient quand même. Cavani. Et la frappe. Allez, on va faire des changements. Faut donner du jus devant. Entrée de Bertrand Traoré. Quand on demande du jus, entrée de Bertrand Traoré à la place de Carillo, souvent. Carillo qui aura quand même essayé. Allez, Souba, au dégagement. 64e minute. Il reste encore du temps pour les deux équipes, c'est vrai. Ouf, quand tampon là. Allez, Radji. Toulalan. Korchia. Oh, il était passé quand même tout l'allant. Tielemans, pardon. Bernardo. Avec Korchia, c'est joué vite du côté des Monégasques. Accélération de Korchia face à trois joueurs parisiens. Korchia dans la surface maintenant. Korchia encore. Oh, oh, pénalty. Pénalty trouvé par Korchia. Ah oui, pénalty. Oh là, El Sharaoui. El Sharaoui. Non, encore Trapp, mais c'est pas vrai. Kevin Trapp qui sort le péno. Oh putain. El Sharaoui qui a loupé le péno du coup. Et ça repart quand même. Les Monégasques qui sont toujours debout quand même. Même après ce penalty loupé. Toulalan. Il sait pas où aller. Il trouve Bertrand Traoré. Frappe de Bertrand. C'est trop contré par Thiago Silva. Et dommage pour les Monégasques là. Qui avait une grosse occasion là. Il a arrêté les penalty. Ça fait mal. J'ai peut-être joué trop vite. Stambouli, Marquinhos, Aurier, Stambouli avec Di Maria. Oula, attention à Kurzuma qui va se faire voir la frappe de Cavani. Elle est à côté cette frappe de Cavani. Changement à Monaco. Faris Balouli qui va rentrer à droite. On en reste sur ce score de parité. Souba. Bernardo, non. Cavani. Lucas. Gonzalez. Oh. Ouais, bien joué, Kurt. Devant Stambouli. Bernardo. Devant Cavani, il s'en sort pas. Maxwell. Waouh. Maxwell qui fait le show là. Cavani. Stambouli. Oh là! Oh, bon arrêt de Subasic devant la frappe de Maxwell. Je pense qu'ils sont passés en offensif là, le Paris Saint-Germain, notamment avec la montée de Maxwell. Entrée de Lopez à la place de Bernardo Silva. Carton jaune pour Toulalan. Corner tiré par Blaise Matuidi. Le corner est tiré de Blaise Matuidi. Ça sera
pour Subasic. Mauvaise relance par contre de Souba. Attention, ça peut donner un bon ballon. Et Monaco qui va passer en offensif. Oh, Gonzalez. Maxwell. Contré par Hadji. Nouveau corner pour le PSG. Ce corner du Paris Saint-Germain, il est important, il faut bien le tirer. Lavezzi. Corner tiré par Lavezzi. Il y aura du monde de la tête. Et il y aura les gants de Toulalan, accessoirement. Et le contrôle de Bertrand Traoré qui va essayer de vite lancer un contre pour les Monégas. Scorchia qui a trouvé un péno tout à l'heure. Il est encore là. Scorchia, bien joué avec Fares Balouli. Balouli, la montée de Balouli. Fares, Fares. Il est rentré, il est encore là. Putain. Il n'a pas manqué bon grand chose pour qu'il passe Zlatan Ibrahimovic qui n'est pas encore à la retraite. Et qui trouve une faute. Aurier. Bon, le Stambouli. Matuidi. Alors qu'on est en train de se diriger vers un match nul, Zlatan est rentré. Attention, attention, parce que là au centre c'est plus pareil. Et bonne couverture de Kurt Zuma. Oh, il y a Zlatan. Gonzalez, Zlatan. Frappe de Zlatan, c'est contré. Frappe encore. Oh, la frappe de Gonzalez, elle est juste à côté du cadre de Subasic. Heureusement pour les Monégasques. Alors ça aurait été un gros coup de massue. 3 minutes de temps additionnel, Maxwell avec le ballon. Maxwell. Zlatan. Lavezzi. Gonzalez. Voilà. Marquinhos. Blaise. Ah, on va se diriger vers un nul. Gonzalez. Stambouli contre Paradji. Et c'est terminé. Score de parité entre ces deux équipes. Le Paris Saint-Germain qui fait 0-0. On va voir un peu le résumé du match. Carillo pour la première frappe. Pouf. Bien joué de la part de Kevin Trapp. Un peu plus tard, encore une fois, Aurier qui se fait prendre de vitesse par El Shaarawy. La frappe. Encore un nouvel arrêt. Ici, c'était le poteau d'Edinson Cavani. Oh. Waouh. Lucas. La tête de Cavani. 59e minute. Les Monégas qui essayaient de réagir, notamment avec la frappe de Bernardo Silva. Di Maria, un peu plus tard. Cavani. Avec la frappe de Di Maria qui s'est envolé. Alfonso Gonzalez. Ah oui, celle-ci aussi. Zlatan. Gonzalez qui récupère. Pouf. A été pas mal du tout aussi. Monaco qui, je trouve, qui s'en sort bien quand même. Même si on est devant au tir cadré, on aurait fait quand même un bon match. Alors, maintenant. Fekir, du coup, qui est toujours pas là. Du coup, on va mettre Bernardo Silva. On va mettre les passes en profondeur. Hop! Ok. Les Monégasques qui progressent. Et qui vont jouer contre Bordeaux. Alors, ensuite. Ici, avec le Pays de Galles, je vous donne aussi les résultats du Pays de Galles contre l'Afrique du Sud 2-1. Contre le Pays-Bas 2-0. Contre le Paris Saint-Germain 0-0. On vient de le voir. Et maintenant, nous affrontons le Bayern Leverkusen en quart de finale de l'Europa League. En quart de finale. Leverkusen, Monaco, voilà, vous savez tout. Juste un petit point sur le classement, vous le voyez. Bordeaux qui 8ème, je pense pas que je vais filmer le match. On va se retrouver très vite pour le match contre Leverkusen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine pour l'Europa League. Salut tout le monde!